Donc c'est que j'ai appelé mon activité en pleine santé pour répondre à un critère, c'est de lutter contre la sédentarité et d'améliorer la qualité de vie des gens autour de moi et pour toute personne qui a envie de prendre soin de soi en fait. Alors j'ai plusieurs types d'accompagnement. Je vais avoir soit des accompagnements plus individuels ou en duo, mais ça reste très individuel, ou alors plus axés en semi-collectif. J'insiste vraiment sur le semi-collectif parce que dans mes groupes, on ne retrouvera pas plus que 12 personnes, parce que j'aime toujours ce côté relationnel avec les personnes. Dans mes accompagnements, je mets l'accent sur le fait que je me déplace à votre domicile dans un rayon de 20-25 minutes maximum à partir de Abbé-Laneuve. Je viens avec tout mon matériel, donc vous avez juste à avoir une tenue de sport et vos baskets. Moi, je m'occupe du reste. Et ce qui est un peu chouette, c'est comme je fais des séances chaque fois différentes avec du matériel différent, quand je sonne à la porte, vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire. Donc voilà, il y a ce petit côté un peu surprise, mais toujours dans l'optique de progresser et de bousculer gentiment un petit peu le corps pour avoir des résultats positifs. Le côté individuel, il va y avoir plusieurs possibilités d'accompagnement. Un premier qui va être plus axé sur du personal training, donc du coaching sportif, dans l'idée de remettre les gens en mouvement. Ça peut être très bien pour des personnes qui souffrent par exemple de maux de dos, des personnes qui veulent perdre du poids, des personnes un peu plus seniors qui veulent bouger mais ne savent pas trop comment, donc ils disent qu'avec un accompagnement à domicile sur mesure, ça leur convient bien. Des dames qui après l'accouchement veulent retrouver un petit peu leur silhouette. Voilà, donc ça c'est un petit peu au niveau individuel. Et bien comprendre que chaque coaching que je propose est vraiment du sur mesure. C'est-à-dire que les séances que je vais faire avec un couple d'une trentaine d'années ne sera pas du tout la même séance qu'avec une personne de 40, 60 ans, parce que chaque être humain est différent, avec des besoins et des objectifs tout à fait différents. Donc j'essaye de toujours amener des séances différentes pour ne pas tomber dans la monotonie. Et pour le corps, de toute façon, il faut toujours aller un petit peu plus loin aussi pour que ça marche bien. Matériel différent, séances différentes. On peut utiliser l'intérieur de la personne, on peut utiliser l'extérieur de la personne. Je m'adapte aussi au lieu qu'on me donne. À côté de ce côté personal training, j'ai aussi une offre nutrition. C'est vrai que j'ai voulu apporter de l'activité physique et de la nutrition parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre si on veut agir positivement sur sa santé en fait. Donc dans le volet nutrition, l'idée c'est de partir des bases alimentaires de la personne et de la famille, de pointer un petit peu du doigt ce qui va bien, ce qui va moins bien, les petites choses à corriger. Souvent c'est pas grand chose, mais en rééquilibrant un petit peu des petits détails de la vie quotidienne, on peut se retrouver en fait à avoir une alimentation tout à fait équilibrée, sans faire de régime, sans se frustrer et en permettant évidemment des petits excès. Donc dans le volet semi-collectif, alors j'ai plusieurs activités. Je vais avoir une première de pilates. Alors là pareil, je vais m'adresser à plusieurs publics différents. Je vais proposer des cours prénataux, donc pour les femmes enceintes, donc pour se préparer à l'accouchement. J'ai des cours de pilates niveau débutant, donc ça c'est pour une personne qui n'a jamais pratiqué de pilates. Je m'adresse à un public qui peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans et même 70 ans, il n'y a pas de problème. Étant donné qu'en pilates, il y a plein d'exercices différents, il y a possibilité d'amener des adaptations en fonction de chacun. Pour la suite, amener un niveau intermédiaire où là, ça reste souvent les mêmes exercices, mais où on va aller pousser un petit peu plus loin. Et à côté du pilates, j'ai également un cours un peu plus intensif, je vais dire, qui est un cours de circuit training, où là je fonctionne par petits ateliers, de nouveau avec du matériel différent, où ça va être un petit peu plus intense, mais pareil, vraiment adaptable à toute personne. Si vous voulez prendre soin de vous pour être en meilleure santé, ne pensez pas que c'est réservé aux autres. Un petit coup de fil, un petit mail, n'hésitez pas à me contacter, je suis très ouverte à l'écoute et je me ferai une joie de vous expliquer, enfin déjà de vous rencontrer pour que vous m'expliquiez un petit peu pourquoi vous faites appel à moi, pourquoi vous voudriez faire appel à moi, et moi je vous explique un peu ma façon de travailler. On teste les choses et on peut très bien partir sur différents types d'accompagnement qui j'en suis sûre, pourront vous répondre à votre demande.